Comme je vous l'ai annoncé dans la vidéo précédente, on part encore sur une anecdote et on part encore plus loin dans le temps. J'étais nouvelle élève dans un lycée à l'étranger et je connaissais pas grand monde. J'ai commencé à me faire petit à petit des amis et puis un jour, j'ai commencé à me faire un peu bully par un mec que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, mais qui avait des connaissances parmi les personnes qui était dans ma classe. Je savais parce que je les voyais de temps en temps comme ça, mais vraiment ça m'était complètement sorti de la tête que ça pouvait être de la drague. Cette personne savait comment je m'appelais et puis d'où je venais, etc. Mais moi je connaissais pas son nom, je savais pas quel âge il avait, ce qu'il me voulait, tu vois, genre moi c'était juste du bully pur et simple. C'est-à-dire que cette personne-là ne m'a jamais dit bonjour, ne m'a jamais vraiment fait la discussion. La seule chose que cette personne ne m'ait dit pendant que j'étais dans ce lycée-là, c'était qu'il m'aimait, mais c'était même pas un truc romantique. Et franchement, si jamais il tombe sur cette vidéo un jour, je sais qui tu es, et je ne parle pas de toi pour me moquer de toi. Je prends juste ce cas-là pour enfermer les gens qui ne savent pas vraiment s'y prendre. Franchement, je t'aurais pas bouffé, quoi. Au contraire, j'avais peur des gens à l'époque. Donc ça m'aurait fait plaisir que quelqu'un me parle, tu vois. Ça m'aurait fait plaisir, et puis au moins, ça aurait pas été aussi bizarre entre nous, quoi. Et je pense pas mal de toi, ça fait quand même quasiment 15 ans. Donc en gros, cette personne-là avait identifié mon sac et le menait partout dans l'établissement, sur les terrains de sport, mettait des trucs dessus, mettait le truc sous la pluie. Je le retrouvais parfois à l'autre bout du couloir par rapport à l'endroit où j'étais censée avoir cours la fois suivante. Mais le truc, c'est que pas une seule seconde, je pensais que c'était ce mec-là qui avait fait ça, tu vois. Pour moi, je me suis dit, attends, il y a quelqu'un qui a baladé mon truc, mais pour moi, ça arrivait à tout le monde, tu vois. Donc, je m'étais pas posé plus de questions que ça. J'allais récupérer mes affaires et puis voilà. Je ne l'avais jamais pris en flagrant délit, donc je pouvais absolument rien dire. Et des fois, ça lui est arrivé de me croiser accompagné de son pote. C'est rigolo parce que son pote est arrivé dans ma classe l'année suivante, mais lui, il était déjà parti. Et en gros, il était arrivé en ouvrant grand les bras, comme ça, pour me faire un câlin. Sauf que moi, j'ai vu un mec faire comme ça, je me suis dit non, c'est pas moi, c'est probablement pour quelqu'un qui est derrière moi. J'ai fait un détour, je me suis dit c'est pas pour moi, et puis voilà, bah, je le connais pas. Et ce jour-là, je pense qu'il a dû très mal le prendre, et je parle de ça avec beaucoup de recul, parce que sur le coup, je me suis absolument pas posé la question. Son pote a rigolé, j'ai entendu dire un truc du genre « Oh non mais t'inquiète, c'est pas ça que je voulais faire. » Puis moi, je suis partie faire mes affaires. Aux personnes qui pensent que tu peux skip la conversation avec quelqu'un qui te plaît, surtout au collège ou au lycée, ne faites pas ça. D'une part, c'est creepy. Moi, je l'ai pris comme ça parce que je pensais pas plus loin. Mais si je l'avais pris pour une agression ou quoi que ce soit, je pense que j'aurais très très mal réagi. Donc prenez le temps de parler avec la personne, même si c'est compliqué et que vous êtes timide. Attendez que cette personne soit seule, mais n'y allez pas avec un pote. Parce que franchement, j'ai cru que c'était déjà que c'était pas pour moi, et que si jamais c'était pour moi, que c'était probablement un piège ou un prank. Mais le pire avec ça, c'est que j'ai tilté qu'en fait c'était parce que je lui plaisais, parce que j'en ai parlé vaguement avec des copines un an ou deux ans après. C'est là qu'elles m'ont dit bah, mais en fait peut-être que tu lui plaisais. Personne ne m'a dit quoi que ce soit, mais je me rendais bien compte que les fois où je le croisais, mais sans forcément savoir qui c'était, les gens étaient un peu en train de ricaner vite fait, quoi. Mais jamais je me suis dit, ne serait-ce qu'un seul instant, que c'était à cause de cette situation, tu vois. Pour moi, j'étais juste là en train de faire mes bails avec mes copines. Et puis voilà, quoi. C'est même pas comme si j'étais hyper populaire au collège ou au lycée. Au contraire, même. Donc n'ayez pas peur d'aborder la personne qui vous plaît, parce que vous savez même pas dans quelle situation elle est. Si ça se trouve, elle sait même pas quel est votre prénom, donc présentez-vous. Enfin, franchement, vous avez absolument rien à perdre, franchement. Enfin, j'y pense maintenant, ça fait 10 ans, 10, 15 ans que c'est arrivé, je rigole un peu. C'est maladroit, c'est mignon, mais quand t'es là, tu penses pas forcément à ça. Donc avec du recul, j'aurais dit... Mais gars, je ne sais pas qui t'es, mais si t'as quelque chose à me dire, dis-le. Il m'avait dit qu'il m'aimait vite fait comme ça. Je venais d'arriver au CDI avec mes copines. Et puis lui, il venait juste de sortir avec son pote. Il m'a même pas arrêté ni quoi que ce soit. En fait, il m'a dit ça vite fait à l'oreille comme ça, mais il est parti. Enfin, il n'est pas du tout allé au bout de son chose. Et puis je me suis dit, attends, j'ai rêvé, c'est pas à moi qu'on parle, tu vois. Donc je peux comprendre qu'on soit timide. Mais vraiment, prenez ça en compte. Vous savez pas du tout ce que les autres ont en tête. Et puis franchement,
La personne qui ira vous ridiculiser devant tout le monde parce que vous osez dire qu'elle vous plaît, bah, franchement, elle vous mérite pas. Moi, je sais que je suis une personne qui n'aurait jamais fait ça à qui que ce soit. Et puis même, en étant hyper introvertie à l'époque, bah, moi, j'avais quand même voir les personnes qui me plaisaient. Je leur disais, bon, bah, écoute, je sais qu'on se connaît pas particulièrement, mais voilà, tu me plais, voilà. S'il y a moyen qu'on sorte ensemble ou que... où on se connaisse un peu mieux, voilà quoi. Moi, j'avais pas peur de demander directement et de me choper un râteau. N'ayez pas peur, vous avez absolument rien à perdre. Au contraire, c'est en agissant comme ça que vous gâchez vos chances et que en fait, il se passe jamais rien. Parce qu'au final, cette personne-là, bah, j'avais rien contre elle, tu vois. Sauf que ben, elle avait pas l'air hyper amicale avec moi. Enfin, c'est ce que je pensais à l'époque, tu vois. Ça m'aurait fait plaisir qu'on me le dise clairement parce que. En vrai, les premières fois où on m'a dit que je plaisais vraiment à l'intéressé, j'étais majeure et vaccinée. Donc je trouve ça assez dommage que des personnes ont des opportunités de draguer ou de faire connaissance avec leur crush et au final agissent comme ça ou bien font croire que la personne ne les intéresse pas alors que si, tu vois. Genre, je comprends pas ce genre de jeu, vous n'avez absolument rien à perdre.